The Orlando Magic selects. Yo, if you got guns, then bring them. Got the pain, and I'm gonna sing them. Reign supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 57e épisode des NBA Stories. Comme d'habitude, démarrons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également supporter les NBA Stories, vous trouverez dans la description un lien pour offrir un tip. Merci à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter à nouveau notre collaboration avec Dear B-Ball. Cette marque qui fait le buzz, portée notamment par Tony Parker, Bam Adebayo ou Willie Colleystein, vous propose des produits originaux allant des t-shirts aux coques de téléphone, toujours sur le thème de la NBA. Bien plus qu'un sponsor, Dear B-Ball s'allie avec les NBA Stories pour vous présenter des créations en rapport avec l'histoire du basketball, dont nous sommes tant passionnés. En utilisant le code promo LNS10 ou en cliquant sur le lien en description, vous obtiendrez 10% de réduction sur toute la boutique. Une excellente façon de vous faire plaisir tout en offrant un soutien si précieux à la chaîne. Si vous connaissez les NBA Stories, vous devez savoir que nous consacrons normalement nos longs formats à des joueurs retraités. Oui, mais voilà, Stephen Curry vient de rentrer dans l'histoire en devenant le meilleur marqueur à 3 points de tous les temps. Étant donné son niveau de jeu affiché cette saison, l'heure de la retraite semble encore bien loin pour les meneurs des Warriors. Impatient de vous conter son atypique carrière, et particulièrement son ascension, nous avons donc décidé de faire entorse à nos habitudes à travers ce numéro. Allez, vous connaissez les règles du jeu. Installez-vous bien confortablement, sortez vos extincteurs et plongez avec nous à la découverte de Stephen Curry, né pour briller. New York, 1985. Un an après la draft de Michael Jordan, qui suivait les arrivées avec fracas de Magic Johnson et Larry Bird, la NBA n'avait désormais plus aucun doute. La page des ténébreuses années 70 était bien tournée et l'heure était maintenant venue d'entreprendre des grandes manœuvres. Alors que, jusqu'à là, les franchises NBA étaient surtout situées dans les grandes villes traditionnelles du pays, la Ligue décida d'entreprendre une stratégie d'expansion vers d'autres marchés en pleine croissance. North Carolina is probably better known for stock cars and college basketball, but today pro basketball takes center stage as Charlotte enters a new era. And so Charlotte and Miami will join the NBA fray for the 1988-89 season. Honestly, I did not know where Charlotte was. Si la Caroline du Nord était l'un des fiefs du basketball universitaire, la NBA était loin de concurrencer la popularité de la NFL dans la région. Charlotte, plus grande ville de l'État, avait vu sa population doubler de 1960 à 1990. Avec une arène flambante neuve, alors la plus grande de la NBA, cette dernière offrit donc à la ville sa franchise, les Hornets. Comme rarement, la nouvelle équipe en bleu ciel n'attendit pas bien longtemps avant de faire le buzz. Si les Hornets ne gagnaient rien dans les années 90, ils furent l'une des équipes les plus fun de la décennie. Dans leur 5 de départ, de nombreux joueurs charismatiques. Citons le lutin Muggsy Bogues, l'armoire à glace Larry Grandmama Johnson, le génial Alonzo Mourning et un shooting guard 6e homme de l'année du nom de Del Curry. Dell was that guy when that play broke down. We all knew we had to find Dell because he could get a shot off. Here's Dell, tries out a three from the corner, yes! Teammates, they know when I'm in the zone, they're gonna do everything they can to get me the ball. Pick and roll play, Curry lets it fly. S'il ne fut jamais All-Star, Del Curry s'imposa comme un arrière aussi efficace que régulier dans les années 90. À Charlotte, il fut d'abord utilisé comme un joueur de sortie de banc, avant de trouver sa place derrière la ligne à 3 points, encore peu utilisée à cette époque. Curry joua finalement 10 saisons à Charlotte et demeure jusqu'à aujourd'hui le recordman de la franchise en termes de matchs joués et de tirs à 3 points réussis. C'est finalement en 2002 qu'il prit sa retraite sous le maillot des Raptors après 16 saisons jouées en NBA.
Avouons-le, Del Curry est à des années-lumière de concurrencer les grands noms des années 90 dans les livres d'histoire. Et pourtant, qui aurait pu croire que son nom serait plus tard inscrit au panthéon du basketball ? Car oui, en 1988, l'arrière avait donné naissance à un fils homonyme qui allait plus tard écrire l'histoire de la balle orange. Young Stephon may not know it now. Basketball may be his future. Well, we started him out in the Reebok. He's in the right shoe wear. We've got a couple balls floating around. He laughs a lot when I bounce them, so hopefully he'll pursue it too. Come on, mate. You gotta make your first shot. Took an interest right away. Oops, shooting bricks, man. Always had some type of ball around him, and he just gravitated toward the game. I never had to say, all right, this is basketball, this is what you're going to play, son. Yeah. Steph and Seth came to every practice they could. Steph was in eighth grade. Seth was six. I remember pulling in the Air Canada Center, putting the car in park, and they'd be out and in the gym before I could get the keys out of the ignition. They knew that building better than anyone. My sport kind of is basketball, and I wanted to practice more on it and try to make it to the pros. Durant toute leur enfance, Stephen et son frère Seth passèrent leur journée avec une balle orange dans les mains. Rejoindre la NBA avait beau être le but, leur père savait bien les difficultés qu'un tel sentier proposait. Pour le jeune Steph, la Grande Ligue n'était alors qu'une simple chimère, car rejoindre ne serait-ce qu'une université s'avérait être une tâche ardue. Le rêve du meneur était de jouer pour Virginia Tech, l'ancienne équipe de son père. Mais l'université, comme des dizaines d'autres, fut rebutée par l'envergure maigrelette de Curry. And then nothing ever happened, and it kind of added insult to injury, telling you can come on and redshirt and pay your own way to school your first year in redshirt, and we'll see what we can do your second year. So it's kind of like we like you, but don't really believe that much in you. Conscient que son temps de jeu serait proche du néant en Virginie, Stephen Curry décida finalement de rejoindre Davidson. Il s'agissait d'une petite université dont le coach Bob McKillop faisait des yeux doux à Curry depuis des années. It took about 3 weeks for him to prove to me that he was going to be a star. We had an alumni function in Charlotte where a lot of fans and a lot of alums and boosters came and was asked questions about what kind of year we're going to have. We just graduated 7 seniors, and I said we're going to be pretty good. And we got a really special player who's going to go down in history as the greatest ever to play the game at Davidson College. Steps back off the dribble. Count it. Fair play. So this has been excellent for Davidson. Curry coming off 40 points on Friday. What a 50 move. Sans aucun doute, Bob McKillop avait vu juste quant à Stephen Curry. Avec 21, 26 puis 28 points de moyenne lors de ses 3 premières saisons, le meneur s'imposa comme l'un des meilleurs tireurs du circuit universitaire. Les inconnus de Davidson créèrent la sensation en éliminant des facultés prestigieuses en 2008. Un fait incroyable pour une équipe qui n'avait pas gagné un seul match de NCAA Tournament depuis des décennies. People were mad at you for ruining their NCAA pool. If anybody's out there, I'm sorry about that. I mean, single-handedly, you screwed everything up. You know, as a college guy, I'm big on Facebook, and I get tons of random messages from people saying, I hate you, you just ruined it all for me. So, I mean, yeah. I'm happy that we won. Voilà qu'un Stephen Curry, âgé de 21 ans, avait enfin l'occasion de réaliser le rêve de sa vie en rejoignant la NBA. Avec 28 points de moyenne, le meneur avait les statistiques d'un premier choix de draft. Mais non, en 2009, une nouvelle fois, les équipes trouvèrent de nombreux points noirs en Curry. Son âge, son physique dégingandé ou ses chevilles fragiles. I kind of heard the same stuff outside. Going into the NBA, I'm too small, not athletic enough. There's no argument that Steph Curry's the best shooter available in this draft. And the question is, to the point guard spot, is he going to be strong enough against NBA defenders over the course of an 82-game schedule? With the first pick in the 2009 NBA draft, the Los Angeles Clippers select Blake Griffin, Hashim Thabeet.
James Harden, Tyreek Evans, Ricky Rubio. Stephen Curry's the best shooter. And if you can get Stephen Curry here, I would pull the trigger on that pick. The Minnesota Timberwolves select Johnny Flynn from Syracuse University. Golden State is on the clock with the number 7 pick. He else is Golden State's point guard. With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. Shooter in the draft. He's going to have to improve his decision making a little bit with the ball in his hands, and his shot selection has got to get a little bit better. He's got really deep range. Well, we're tickled to death to have him here today. He's going to be a very exciting player for us. Definitely very excited to be here. It's a dream come true for me, just to be drafted in NBA. Basketball establishes a new base in San Francisco with the arrival of the Warriors. The Warriors' big drawing card, of course, is 7-footer Wilt Chamberlain. San Francisco, voilà un nom si évocateur qui éveille instantanément les fantasmes populaires. Si cette région est aujourd'hui surtout connue comme le quartier général de la high-tech mondiale, c'est à partir de la ruée vers l'or du 19e siècle que la cité gagna un nombre fou d'habitants. Si peu d'entre eux firent effectivement fortune, la ville de San Francisco n'était pas prête à arrêter d'écrire son histoire dorée. Alors que Los Angeles était le temple du glamour, sa cousine du Nord se distingua dans les années 60 comme un bastion de la contre-culture, d'abord hippie, puis homosexuel. Mais derrière l'écran de fumée verte des années 60, le sport n'était pas bien loin. C'est en 1962 que les Philadelphia Warriors déménagèrent à San Francisco en créant un duo Ned Thurmond, Wilt Chamberlain. Souvent bien placée, mais jamais victorieuse, il fallut attendre 1975 pour que l'équipe remporte enfin son premier titre sous ce nom. Avançons ensuite à la décennie suivante, là où la Californie s'imposa comme the place to be de la balle orange. Avec les Warriors, non, avec les Lakers de l'iconique Magic Johnson. Durant toute cette décennie, Golden State tenta bien de rythmer la ligue à travers le trio Run TMC, mais sans jamais s'approcher des succès des Lakers. Loin, très loin était l'époque des Warriors champions. Alors que la baie de San Francisco devint l'une des régions les plus riches du pays dans les années 90, son équipe NBA ne participa que 5 petites fois aux playoffs de 1978 à 2006. C'est l'année suivante que la brume se leva enfin peu à peu au-dessus du Golden Gate Bridge. Alors que tout le monde s'attendait à ce que les Warriors mordent encore la poussière, l'équipe coachée par Don Nelson écrivit un magnifique chapitre en éliminant les tout-puissants Mavericks au premier tour des playoffs 2007. We Believe, voilà le mantra scandé par les fans des Warriors, eux qui étaient persuadés que l'heure du renouveau avait sonné. Malheureusement pour eux, l'équipe ne retrouva pas les playoffs une fois ce compte doré conclu. Mais entre-temps, elle avait trouvé celui qui serait plus tard son héros. What do you want your lasting legacy to be? A consistent player that made it to that all-star level. And you know, he wins some championships, it's all about winning, that's why we play the game. So you know, a guy that did it the right way and was very consistent every night he played and gave it his all. Avec 17 points de moyenne lors de ses 3 premières saisons, Stephen Curry avait confirmé les impressions de ses amateurs et de ses détracteurs. Pour les premiers, il était clair que le meneur pouvait être un scoreur régulier en NBA. Pour les seconds, les critiques avaient vu juste. Son physique frêle lui causa de nombreuses blessures, une difficile réalité pour celui qui était censé être le futur des Warriors. I think that's the third time this season he has had some type of injury to that ankle. Figure that out early. It was tough for him, but I think it really shows how tough-minded he is to be able to fight through those injuries. Every question I got was, you know, how are your ankles? You know, are you going to be, you know, that pseudo Grant Hill story, or where you have an injury that kind of holds you back from reaching your full potential? Être sous les radars, Stephen Curry y était habitué. Pour les Warriors, pas de doute qu'il était la pierre angulaire de leur éternel projet de reconstruction. Malgré les critiques, l'équipe offrit un nouveau contrat de 4 ans au meneur. Sa condition physique s'améliorant, la prochaine étape était maintenant de l'entourer au mieux.
Ce plan commença avec l'arrivée du tireur d'élite Klay Thompson, lui aussi fils d'un ancien joueur NBA. La casquette de coach fut quant à elle offerte à Mark Jackson, un meneur retraité connu pour son jeu altruiste et spectaculaire. Avec autant de gâchettes offensives, la stratégie des Warriors était claire: secouer toute la NBA en proposant un jeu totalement débridé. Alors que les chevilles de Curry commençaient enfin à le laisser tranquille, ce dernier n'attendit pas avant de joindre ses forces à Klay Thompson pour éclabousser toute la ligue. Steph has more game than his pops. And that's with all due respect to old school basketball and Dell. To me, Steph Curry has blossomed into a superstar. He has simply become the face of this franchise. Splash Brothers, voilà le surnom du duo Curry et Thompson, désormais l'un des plus spectaculaires de la NBA. En 2014, Curry compila 25 points par match et les Warriors jouèrent les playoffs pour la deuxième année de suite. C'est alors que l'organigramme de la franchise californienne fit un choix très culotté. Et oui, ils décidèrent de se séparer du sérieux Mark Jackson pour miser sur un coach sans aucune expérience en la matière. Steve Kerr will become the new head coach of the Golden State Warriors. Checks the clock, 5 on the 24. Here's Jordan. I bend my knees and get my feet set. Then I'm going to be out of rhythm because the defense is going to be on me and I'll have to do all kinds of setting up. Whereas if I get everything set and I catch, I can go right up with it and I'm ready. So awesome. The preparation is really, before you even get the ball, is where it all starts. You know, I know there's plenty of expectations and the bar is set pretty high, but as I said yesterday, I prefer that over, you know, not much talent and low expectations. The number one item on my list when I arrived was just to get to know all the players. Phone calls, visits, lunches, golf rounds, whatever. I knew it was already a good team and I was hoping we could become a great team. The way Coach came in with, you know, humility, understanding he was taking over a great team, a couple of tweaks here and there, that made all the difference. And, right. You know, we've won. One thing that I know and that I've heard in terms of advice from other coaches, you just have to be yourself. Être soi-même, pour Steve Kerr, qui fut l'un des meilleurs tireurs à 3 points de son époque, cela signifiait de façonner les Warriors à son image. Peu importe s'il n'avait pas d'expérience en tant que head coach, son passé de joueur suffisait à faire adhérer les troupes à sa cause. Les troupes, passons-les en revue. À l'orée de la saison 2014-2015, les Warriors pouvaient compter sur un duo d'extérieur hyper complémentaire en Stephen Curry et Klay Thompson. Dans la raquette, l'ailier fort affamé Draymond Green. Ces trois joueurs, pierre angulaire du projet des Warriors, étaient issus de la draft, au second tour dans le cas de Green. À côté de ces jeunes loups, se trouvaient de précieux vétérans, comme André Iguodala ou Andrew Bogut. Malgré un effectif plus qu'intéressant, les Warriors étaient loin d'être favoris au titre. En effet, les casinos de Las Vegas leur attribuèrent une cote de plus 2800, ce qui équivaut à une probabilité de 3% d'être sacré champion. Mais vous devez maintenant le savoir, les statistiques, Stephen Curry avait toujours à cœur de les contredire. Steph Curry, you're the leader
of the June. It had the best record in the NBA this season. This is a tribute, not just to you, but to the entire organization and the great fans here in the Bay Area. So it's my honor and my pleasure to present you Steph Curry with the 2014-15 Kia MVP Award. I remember a lot of your career, and to be able to follow in your footsteps, it means a lot to me. And now it's almost time for one last step to decide an NBA champion. I didn't even get it. I caught it. Oh, okay. Curry. Curry for three. Puts it in. Curry. Fires. Hits. Stephen. Help the help. Curry steps back. Hits a three. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. This is truly special. This group is a special group from the time we started the season. This is what we envisioned, and a lot of hard work goes into it, and all the way down to the last minute of this game. Après avoir été snobé par le circuit universitaire, puis éclaboussé par un torrent de critiques sur son physique, voilà que Stephen Curry venait de rentrer dans l'histoire en devenant MVP ainsi que champion en 2015. Cette saison à succès des Warriors est sûrement l'une des plus fondatrices du riche récit de la NBA. Et oui, jusqu'alors, la clé du succès se passait surtout dans la peinture. Mais le Golden State de Steve Kerr chamboula toutes les normes en faisant du tir à 3 points l'atout principal de leur victoire. Puisque les autres équipes ne pouvaient pas tarir les Warriors, leur seule solution était de les copier. En 2013, la moyenne de 3 points tentés par match était de 20. En 2015, ce nombre avait grimpé à 25. Aujourd'hui, 35. Dans la lignée des George Mikan ou Michael Jordan, Stephen Curry fait donc partie de cette rare caste de joueurs ayant littéralement transformé la façon dont le jeu se joue. À travers son parcours, aussi bien que ses actions, le meneur des Warriors a démontré que la confiance en soi est l'arme pour briser des records que l'on pensait inexpugnables. I got supreme confidence in shooting the ball, and if I'm shooting it, I think I'm gonna make it. The confidence is always there. Me coming down, pulling up for three, that's what I love to do. I feel like if I shoot that shot, I'm gonna make it every single time. There's a piece of gamesmanship, kind of just surveying the floor, seeing what the defense is doing, what's something they might not be expecting in that moment. They do have a timeout. Curry, way downtown. Bang! Bang! La magnifique gestuelle du meneur est un régal pour les yeux. Mais tout son génie se définit par son jeu sans ballon, cette fabuleuse chorégraphie qui lui permet d'évaporer son défenseur pour dégainer aussi vite que l'éclair. Si Curry est évidemment avant tout un tireur, l'un, voire le plus grand de tous les temps, il serait injuste de ne le résumer qu'à ça. Capable de driver au panier, de passer et de se donner en défense, il est notamment le meilleur intercepteur de la ligue en 2016. Pour compléter ce tableau, rappelons que celui que l'on surnomme le chef est l'un des meilleurs tireurs au lancer franc de tous les temps, avec un magnifique 90% de réussite en carrière. Des Pistons de 2004 aux Mavericks de 2011, la NBA avait vu de nombreux champions surprises, mais aucun d'entre eux n'avait réussi à réitérer cet exploit. Alors, les Warriors n'étaient-ils qu'un simple coup d'une année? Oh que non! La saison suivante fut une véritable ode de basketball. Avec un Curry au sommet de son art, les Warriors parvinrent à conclure la meilleure saison régulière de l'histoire avec 73 victoires pour 9 défaites. Le meneur rajouta une ligne dans les grandes annales de la NBA en remportant un nouveau titre de MVP, le premier unanime de l'histoire. Pour finir d'écrire cette incroyable saison, les Warriors remontèrent un déficit de 3 matchs à 1 face à OKC pour se hisser en finale. Le titre. Voilà tout ce qu'il fallait à Golden State pour clore toutes les discussions. Oui, leur saison 2015-2016 se devait d'être la meilleure de l'histoire. Curry the mismatch. Curry the three.
3-1 lead in these NBA Finals. Everybody stepped up. You don't win championships without the whole squad, so proud of the way you play. James thinks, James drives, James finishes. Kyrie Irving gets inside, kicks it out to J.R. Smith. His corner three is good. Steps back, Kyrie Irving on him there. Thompson chased by LeBron James, hooked away from behind, then releases. And Curry has to back off as James throws it down. There's the buzzer. Game seven, Sunday night in Oakland. You know, two straight games to force a game seven, and I can't wait. If you told us at the beginning of the season one game to win the championship in Oakland, we'll take that any day of the week. Through the hands of Curry, James! Azealia again goes back up on him. James steps back for three, puts it in! Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup! Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Curry, one-on-one, Irving puts it up, it's good! It's over, it's over! Cleveland is a city of champions once again! The Cavaliers are NBA champions! And it was probably my favorite moment in this job. To see them handle losing and take accountability for themselves. You know, Steph Curry says, "Why, well, I'm not going to, I didn't play well." You know, that's what happened. I didn't play well. Draymond Green sitting here saying, "I'm never going to experience this feeling again. I will never let this happen again." And like I said, that'll just motivate me to keep getting better. It won't be something that'll hold me down, but I'll have it in the back of my mind, you know, forever. Les Warriors ne voulaient plus jamais revivre une telle désillusion et assumèrent leurs paroles par des actes. Rejoint par Kevin Durant, dans l'une des signatures les plus controversées de l'histoire, Golden State se transforma en une machine de guerre impossible à arrêter. Si l'équipe de la Baie remporta deux titres haut la main, son aura était désormais différente. D'abord connue comme une équipe de col bleu, prêt à déjouer tous les pronostics, les Warriors devinrent, selon les sondages, l'une des équipes les plus détestées de la ligue. Mais voilà, depuis, Kevin Durant est parti et deux saisons compliquées se sont écoulées. L'ossature Curry, Thompson et Green est de retour et l'âme de cette équipe n'a assurément pas disparu. Comme avec les Chicago Bulls des années 90, les grands gagnants attirent souvent jalousie et détestation. Mais comme pour la bande à Michael Jordan, les Warriors du milieu des années 2010 sont un véritable bijou de basketball. Et le mieux dans tout ça, ce n'est pas encore fini. Parmi les plus grands joueurs de l'histoire, Stephen Curry est probablement celui qui sortit le plus de l'ombre. On disait de lui qu'il n'était qu'un fils à papa, un gringalet dont le manque d'athlétisme lui jouerait des tours en NBA. Des milliers d'heures d'entraînement plus tard, voilà que Stephen Curry a dépassé Reggie Miller et Ray Allen pour devenir le meilleur marqueur à 3 points de tous les temps. D'habitude, nous aimons conclure nos portraits en résumant les carrières des joueurs évoqués. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, il semble évident que le meneur a encore de bien belles aventures à nous conter. Né pour briller, Stephen Curry a le basketball dans les gènes et ne sembla jamais avoir d'autre but dans sa vie que d'écrire l'histoire de son sport. Finalement, comme disait feu Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer.